Alors, une campagne YouTube réussie pour moi, c'est déjà une campagne qui s'est accrochée dans les 5 premières secondes son public. Après, elle doit obéir aux critères de la réussite de campagne de communication de façon générale, c'est-à-dire savoir considérer son public. Deuxième point, trouver la porte d'entrée de l'émotion qui fait que les gens vont suivre les choses derrière. Et puis ensuite, apporter des preuves concrètes en termes de discours. Ce qu'il est très important de dire, c'est que s'il faut accrocher dans les 5 premières secondes, l'important c'est aussi de pouvoir dérouler des histoires longues une fois qu'on a accroché le public. Et ce que permet de faire YouTube, c'est ça, c'est que non seulement si on réussit l'accroche de départ, on peut ensuite raconter une histoire dans la durée et retenir le public de façon intéressante. Que je trouve intéressant de YouTube, c'est l'apparition d'un nouveau langage. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand des gens comme Cyprien ou comme Norman ont commencé à créer ce registre spécifique à YouTube. On les a utilisés à l'époque, il y a 5 ou 6 ans. Et voilà, il s'est passé quelque chose en termes de langage, avec quelque chose de plus spontané, de plus direct, de plus frais, qui a apporté, on va dire, beaucoup de nouveautés dans l'expression. C'était une rupture de langage. Évidemment, bien sûr, une vidéo CIC. Non, mais toute plaisanterie mise à part, il n'y a aucun contenu que je ne skipperai jamais. À un moment donné, le sujet, c'est ma disponibilité, mon attention. Si je veux véritablement aller chercher le contenu qui est derrière ensuite, je vais skipper quoi qu'il arrive. En revanche, s'il y a une communication qui réussit à m'interpeller fortement en m'accrochant, comme je le disais tout à l'heure, mais qui rajoute en plus un regard original, une authenticité, à ce moment-là, je vais avoir un temps d'arrêt et je vais avoir envie de rester plus longtemps. Donc voilà, très très vite, il faut qu'on soit surpris, intrigué et qu'on ressente une originalité de langage, pas des mécaniques toutes faites. Parce que la mécanique toute faite nous lasse très vite et donc on passe à la suite.